30 ans de JSE, 30 ans de journée scientifique de l'environnement, étaient fêtés le 12 mars à l'Université Paris-Est de Créteil. 300 conférences, 720 intervenants et 3000 étudiants. Depuis 1989, les JSE proposent de grands moments de rencontre entre étudiants, chercheurs, élus et agents territoriaux pour réfléchir et échanger sur l'environnement et ses enjeux. L'agriculture et l'alimentation au cœur des crises sociétales et environnementales est le sujet traité cette année, les 19, 20 et 21 mars prochains, à l'hôtel du département à Créteil. Et pour ouvrir les festivités, rien de tel qu'une conférence débat sur la nouvelle loi agriculture et alimentation. Aujourd'hui, même en France, la moitié des territoires sont occupés par l'agriculture. Donc on ne peut pas poser les questions environnementales sans se poser la question de l'agriculture. Et si on se parle d'agriculture, on est obligé de parler d'alimentation, parce que c'est la société qui construit les besoins et les envies subjectives en matière agricole. C'est la société qui construit aussi les dispositifs d'aide ou pas, le cadre de production agricole. Et donc si on veut aujourd'hui changer la manière dont on intervient sur le territoire, donc sur le climat, donc sur la biodiversité, à une grande échelle, le premier outil sur lequel on peut agir, c'est l'agriculture. Les 30e journées scientifiques de l'environnement sont les 19, 20, 21 mars prochains et sont ouvertes au public. Retrouvez toute la programmation sur valdemarne.fr.